Recette du jour, un cocktail frima au pamplemousse. Alors, faire un livre de recettes, vous faire plaisir avec plein d'inspiration, eh bien, on ne peut pas passer à côté de vous faire un cocktail parce que c'est le temps des fêtes et, ben, qui dit temps des fêtes, dit cocktail. Et cette année, ce sera spécial. Entre nous, on va se faire un petit réchauffé pour au moins fêter en beauté. Alors, très simple, vraiment, quelques ingrédients. On va avoir besoin d'un pamplemousse rose. Je vais avoir besoin aussi de sucre. Donc, on me dit ici à l'oreille, un peu de sucre pour saupoudrer, là, pour donner une petite question, un petit sucré, parce que dit pamplemousse, dit acidulé. On va avoir besoin d'au moins une tasse et demie de glaçons. On va également avoir besoin de 3 onces de vodka de votre choix. Et on va avoir ici aussi besoin d'un sirop de pamplemousse. Donc, c'est la vodka. Et le sirop de pamplemousse, alors ça, c'est, vous pourrez regarder dans un des vidéos précédentes, on a fait un bonus de sirop de pamplemousse, donc quelque chose que vous allez pouvoir adapter à plein d'autres recettes aussi. On va en ajouter dans cette recette-ci. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir mandoliner notre pamplemousse. Alors, je prends mon pamplemousse, je vais prendre la mandoline pour pouvoir venir faire des tranches de mandoline, de pamplemousse, parce que je vais m'en servir un de cette tranche-là pour décorer mon verre quand je vais venir le temps de voir. Donc, c'est festif, on veut que ce soit comme plaisant. On va faire griller le morceau de pamplemousse dans du sucre sur la poêle. Et ensuite, je vais devoir récupérer le jus de mon citron. J'ai besoin d'environ le jus là, pour à peu près un quart de tasse. Je vais juste être sûr de vous donner la bonne mesure. Donc, pour faire ma tranche de pamplemousse, je vais commencer par descendre la lame de ma mandoline. On va mettre ça ici à environ la hauteur 6, qui équivaut à 6 mm. 6 mm. C'est assez simple. Donc, comme je ne veux pas de tranche, je vais laisser ma lame complètement droite. Je vais prendre ici mon protège-doigt, car j'aimerais pouvoir les garder pour le temps des fêtes également. Donc, je vais simplement ici descendre en m'assurant. Peut-être que c'était mieux de le couper en deux si jamais c'est difficile. Des fois, il y en a qui sont plus géants que d'autres. Oui, aussi. Donc, je vais faire la première tranche qui, elle, ne sera visiblement pas la meilleure. Alors, on va faire une deuxième, je vais aller tranquillement. Parce qu'une agrume, la tranchée à la mandoline, des fois. Oh. Il était pas mal mûr aussi. Oui, il était pas mal mûr. Mais c'est pas grave. Oh, elle a comme. Elle a eu chaud un petit peu. On fait attention parce que là, je suis dangereuse. Une belle tranche ici, comme ça, de pamplemousse. Et si jamais vous n'avez pas de mandoline à la maison, vous en voulez une, il n'y a pas de problème, mais vous n'en avez pas, c'est un couteau, ça fonctionne aussi. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, avec le restant de mon pamplemousse, tu veux-tu que j'en prenne une autre tranche, encore un autre, hein? Je suis en train de me dire, il y en reste de place. On va en couper une autre tranche. Je vais comme ça tranquillement. Oh, celle-là, elle va être belle. Ah, oh, des fois, hein? Voilà, belle tranche. Donc, avec le restant de mon pamplemousse, je vais prendre ici un presse-jus que je vais venir chercher l'équivalent d'un quart de tasse de jus de citron. De pamplemousse? Ben oui, pourquoi je dis tout le temps du jus de citron? Je sais pas. J'aime le citron. Donc, encore, j'ai peut-être encore besoin d'un petit peu plus. On continue de presser. Comme ça. Alors, j'ai mon jus de citron. J'espère qu'on voit bien ici comme ça. Je vais le mettre dans mon mélangeur parce qu'on va venir shake, shake, shake. Hein? Qui dit cocktail dit shake, shake, shake. Je mets ça ici à l'intérieur. Et là, pour pouvoir faire le oomph du cocktail, je vais devoir hacher de la glace. Je vais juste nettoyer ma surface pour être certaine de bien vous montrer. Ici, je vais prendre, moi j'ai le maître hachoir
qui va me permettre, parce que j'ai un compte spécial, qui va me permettre de vraiment aller hacher toute ma glace comme si c'était un flotteur là, qu'on achète des fois pendant l'été. C'est toute la glace, tout est émietté. Donc, ça va vraiment me permettre de faire ça. Donc, pour faire des margaritas, très, très, très winner, comme on dit. Donc, je mets un bol en dessous. Je vais prendre ici de la glace. La glace, c'est un ingrédient des fois qu'on a de la misère à trouver. Vous pouvez regarder dans votre congélateur ou si vous avez bac à glace, vous pouvez la faire vous-même. Donc, moi ici, j'ai mon bac à glace avec l'en dessous qui est en silicone qui me permet de simplement pousser comme ça et de faire sortir mes glaces. Donc, je vais en mettre tout simplement, je vais les mettre ici, ça va aller plus vite. Je vais les mettre ici dans mon maître râpe. Je vais tout simplement presser et tourner la manivelle pour faire sortir. Et là, c'est là que la magie opère. Là, c'est comme... Wow. De la neige! Hein? De la neige. On va s'en faire passer une petite pignette de plus. Ça, c'est l'activité préférée des enfants. Donc, vous déléguez cette tâche. Les enfants vont juste capoter. Oui, pour nous, dans l'alcool, eux autres, vous pourriez leur faire simplement une partie sans alcool. Donc, ils vont avoir l'impression aussi de participer à la fête. Alors, une fois que ceci s'est bien mélangé, on va tout simplement prendre le maître râpe ici. On va mettre le mélangeur. Mais vraiment, 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 mon jus de citron, de pamplemousse à l'intérieur, la vodka. Ici, j'ai même pas pris de vodka, hein, je vous le jure. Donc, la vodka est vraiment bien dans mon bol que je vais verser. Et on va mettre le sirop. Et dans une mignonnette. Dans une mignonnette, probablement au frigo. Vas-y, on va t'attendre. Je m'en viens. Car la vidéo du sirop a été tournée précédemment. Alors, il fallait que ce soit refroidi. Donc, je vais mettre à l'intérieur 1 once de ce sirop magnifique. À l'intérieur, je vais shake. Là, on prend le temps de bien fermer et on fait shake. Ça va être bon. Et là, c'est le temps du montage. Donc, avec un verre à margarita martini, je vais tout simplement mettre en premier. Ma glace. Je vais mettre ça en premier. Oui. Donc, je vais verser ici en premier. Wow. Et je vais mettre la glace dedans. Cocktail frais. Goûteux. Et voilà, il restera juste à mettre ma petite tranche de pamplemousse grillée.